Hop. C'est bon, c'est revenu. Faut que ça revienne. Bon, la qualité. Ah, c'est bon. La qualité a disparu, mais non, c'est bon. Ok, parfait. N'avais non, je vais pas quitter. Pas monter, je devrais pas. Putain. Manque un plomb. Un plomb. Ah oui, c'est ça que je m'étais dit la dernière fois. Musique du jeu, elle avait cassé les pieds. Attends, il est là. Pourquoi j'ai... J'ai la musique du début qui est là. Bizarre ce bruit. Je ne comprends pas. Parce qu'en fait j'ai la musique du... menu dans le jeu. Alors que normalement on devrait pas y avoir. Oh, on a overlay la fiche 0. Tac tac tac. Ah non, c'est bon, il a pas bugué. Ok, lui aussi il avait bugué. Quand même. Tu vas pas se mettre à bugger quand même. C'est bon. Non, j'ai record. Donc, il manque un seul plomb. La musique qui va me casser les pieds. Donc, ce qu'on va faire, musique off, voilà. Comme si on va mettre un peu. Ouais, d'accord, ok. Si ici il y a du plomb ou pas dans cette zone, je crois pas. On va regarder. Oh, quoi que non. On retourne direct à la base, ça ira plus vite. Ma base est là-bas. Tiens, y'a un boss. Oh tiens, un boss. Je vais donc tout à fait normal, sa race hein. Cordialement. Oh merde, c'est pas... Hop hop hop. Lithium. Récupère. On récupère toujours le lithium. J'en ai pas beaucoup à la base. Bon, les cryptosaures, j'ai oublié à quel point c'est du bruit bizarre. Secure fluid intake.
Alors, dans l'ordre du jeu, j'ai lu ça quelque... J'ai lu ça, ouais. Tu vois le gros machin là qui Serrat anglais. Et bah normalement son cri désoriente ses victimes. Peur. Et est-ce que ça marche? Non, pas du tout. Complètement Plutôt en l'année. mode ok, il m'a crié dessus. Bien. Celui du Reaper était vraiment réussi. Et je t'entends, je suis serré. Retour base. Joue un petit peu. Tu as Star Wars. Waouh. Moi j'essaye le jeu. Bah tu peux, en plus toi tu vas le tourner à fond. Tu peux le tourner à fond, pas moi. Ah ouais, pourquoi? Ouais, je sais pas. Là je il a un... sais pas comment ça vieillir. Mon PC devient vieux. Grand-mère en défibrillateur. J'ai juste mon processeur et ma carte mère en plus, un i7 6ème gen. Ouais. Ça que dit comme ça. Voilà, voilà. Donc ça commence à ici. Voilà, on dort. Fait un gros dodo. Ah parfait. J'ai pas du tout de plan ici, ok. Pourquoi tu voudrais du plan? Moi je voudrais du plan. C'est pour faire ma base. Oh la mise à jour 50 Go. What the fuck. Alors, minerai de galène. Ouais, et là par contre aujourd'hui, je dois faire pas mal de exploration parce que j'ai énormément de choses à aller voir. Parce que celui-là. D'ailleurs, je savais pas, mais tu peux pas scanner des trucs qui sont morts. Sauf les Léviathans. La dernière fois j'ai écrasé un people et j'ai pas pu le scan. Je les ai jamais scan. T'es un peu con ça. Ouais. Il y a rien dans ta zone? Dans cette zone là? Mais il y a... y a tout. C'est au sud qui va bah, là où... Je fais ma deuxième base, c'est qu'il n'y a pas grand chose en vrai. Mais elle est bien parce que y a... elle est au milieu des lilipads et au lilipad il y a plein de choses à aller voir. Ça c'est bien. Ah. Ouais. Donc il me fallait une base centrale et moi je l'ai mis là-bas. En plus d'être proche de. Des trucs alien, elle est dans une zone qui fait un peu flipper. Moi vraiment, quand il y a une zone qui fait flipper, je mets une base dedans. Ça me fait plus flipper. Le mec, il a pas compris c'était quoi la démo facile. Voyage rapide interdit. Oh fuck. Bon allez les gars, les garçons, je vais en solo. Enfin, du coup je vais jouer solo. Subi. Il va simp. Il va simper surtout. J'en suis certain. Salut Larny, comment vas-tu? Alors maintenant étage 12. Alors, ah bah, t'as juste envie. Comment je... Alors j'avais vérifié mais comment je fais mes types? Non. Non. Regarde-moi ça. Il y a un minerai de galène juste là, je peux pas l'ouvrir.
tant pis. Vous avez combien de plans sur moi? 4. On va prendre encore 3 et ça sera bon. Oh quoique, allez hop, j'en prends une dizaine comme d'hab. Je vais chercher mon aquatracteur. Il ira plus vite. Welcome aboard, Captain. Est-ce que tu le savais, Etienne? J'aime taser les poissons. Tu es pas net. Mais si, je suis très net. Après l'aménage, faudrait limite que je vais au-dessus. Jésus. J'ai fait un petit pistolet. Parce que sinon, je suis là. Là du coup, encore une fois il est dans le sol. C'est trop dommage que le jeu il y ait encore tellement de bugs comme ça. Petit bug de texture mais quand même. Ah mais attends, mais je peux me taper la rationnelle tu vois. Ouais. Putain, Tu con, pourquoi je trouve mon inventaire c'est écrit au-dessus en haut à droite? On est 8. On va faire par là maintenant. Inventaire plein? Oh non. Celui-là et ça sera le dernier. Celui-là, ils ont l'air éloignés ces deux-là, ces trois-là, du coup. Attention, ça. Ah, fallait que ce soit lui. Il est là-bas. Libérer de la place. Non, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il faut pour un chargeur de batterie, ce truc hyper important. Tout en bas. Là, fil de cuivre qui est de câble. Ah bah j'ai tout à la base. Hop. Bah juste aller déco la salle de scanner. Sinon ça va me faire plein de points hyper loin. Pour le peu qu'il y a chargé le C-Truck, on va quand même le faire.
Hop, donc toi, tu t'arrêtes. Là. Tac, tac, tac. On verra ça plus tard. Hop, retour à la base. La menacing bêta. Tu vas faire un stream live of play ou pas? Tiens. Ouais, j'en ferai un après, là je finis d'abord mes abysses. Je suis un peu en train d'enculer mon clavier, mais ça c'est qu'un détail. Les abysses, c'est quoi? Ah, c'est en gros, c'est un contenu difficile du jeu. Oh non, ça a pas crit. Oh non, c'est dégueulasse. Putain, je l'ai serré, il est loin aujourd'hui. Tu es toujours proche de la surface? Ah non, il a décidé d'être loin. La bouffe. Ça se trouve, il y en a un deuxième, je vais me faire bouffer, mais c'est pas grave. Les petits poissons passent. C'est moi d'abord. C'est ça, t'as de compris. Tout compris. Comme à la cantine. Moi d'abord, les autres après. Comme ça, c'est un enculé, voilà. Tu doubles tout le monde, t'arrives, t'as un brevi, y'a un mec qui a presque fini son bro, tu lui piques son bro, tu lui donnes le tien. Je suis fait baiser. Ah. T'es mort? Ah, oh, c'est chiant comme ça là. Oh, dommage. Et ça leur fait des dégâts, ok. En plus, il y a un artefact de l'architecte juste à côté, le PK8 là. Je vais aller le voir. Là, on va vraiment faire. On finit la base qui est là. Et on va beaucoup centrer sur les artefacts. C'est très important. Surtout que j'en ai pas fait depuis longtemps. C'est critique pas hein. Et donc ça leur fait vraiment des dégâts, putain. Voilà, je suis arrivé. Let's go. Allez vite. Cette base va devenir autonome maintenant. C'est ça que je veux. Base autonome. Warning. Emergency power only. Oxygen production offline. T'inquiète, cocotte. Hop, voilà, le courant. Oui, avant. Faut juste que je mette une plaque d'acier. Avec du. Ah. Hop. Oh, la salle, elle est immense. J'aurais jamais cru. Integrity restored. Draining systems initiated. Ouais, bon, pas fou le dôme de verre. Est-ce que je peux mettre un.
Aïe, ça prend beaucoup de place. 5 verres de titane, waouh. Fini. Waouh, c'est immense. Ah, ok, c'est pour sortir de la base ici. Il y a une petite grotte ici là en dessous. Pas par là que je vais y aller. Mais peut-être par là. Non, pas par là. Putain, on va améliorer la portée du scanner, c'est bien pas là. Hop. Améliore. Pas mal. Alors, il y a quoi ici? Diamant, distanlithium. Attends. Léviathan ténébreux, il est où? Là. Ah, ok. Ok, en fait, il y a pas mal de choses ici. Qu'est-ce qu'il faut le plus? Pour le moment, je sais pas. Ouais, je vais faire ça. Ce sera tout good. Lingot de titane, kit de câblage avancé, 4 verres. Let's go, allons voir si j'ai ça. Hop, je vais me connecter là-bas. Ah mais non, c'est une blague. Parfait. Alors, pas mal de petits poissons ici. Oh, titane. J'en ai plus. 4 de verre, donc ça, ça va. 1, 2 de verre. C'est déjà ça. Mes petits posters, je vais les poser. On prend la place. Un coup de titane après. Allez, je vais faire un petit coin ici. Un minerai de cuivre. Quoi d'autre? Armoire murale. On fout un peu partout. 1, 2. 3, 4 et 5. Je pense qu'avec 5 je serai tranquille. Je vais mettre un petit lit. Je sais pas où je vais le mettre. Voilà. Marche comme ça. D'accord. Hop. Est-ce que je vais mettre d'autres? Ça va pas aller là. C'est l'extérieur. L'intérieur. Quatre verres et maillots, c'est un peu cher. Donc du quartz, il m'en faut beaucoup. Elle est où? J'ai pas scanné ça. Ah. Quartz, un peu partout. Bien.
taper. Là j'en ai un. Je sais pas combien il m'en faut, je vais prendre le plus possible. Et avec ça, ça fera 3. Voilà, j'en ai pas d'autres avant. Ori, non. En tout cas, niveau diamant, je suis servi ici. Il y a que ça. Un peu comme les Blood Keep ici, il n'y a pas grand chose. Il y a des minerais que t'as pas. Il y a un truc très important, mais c'est tout. Hop. Minerai de cuivre de quoi? Ah. Pas de cuivre, ah merde. Oh non, c'est une blague, non. T'es mort ? Allez, nique ta mère. Non, je suis pas mort, mais ça me casse les couilles. Un truc qui devait pas arriver, il est arrivé. Comme ça. Mais wesh ! Mais d'où il touche, ce fils de pute ? Mais j'ai cassé mon crâne, à quel moment il touche ? C'est parti. Oh mais putain, mais il peut pas avoir son ulti plus vite cette pute là. Parfait. Ah merde. J'ai tué les minerais de cuivre. Bien sûr, si je les prends pas. J'en ai pas assez du coup. Et j'en recherche. Et de 1 et de 2. Non. Kit de câblage avancé, c'est bien ce qu'il me demande. Hein. Lingot de titane, kit de câblage avancé. Oh la vache. Oh, qu'est-ce que...
Yep, quartz. Et ça sera bon, j'aurai tout. Hop. Non putain, minerai d'or ici, il est incroyable. C'était sûr que j'allais mourir, bah ouais, mais. Oh. Mais le perso il fait une. C'est connerie. Et allez. D'accord, le problème est en dessous de tout ça. Chercher du quartz. Il y en a dans la cellule alien? Non. Mais il me bloque avec ses bras, mais je vais casser mon crâne. Un petit peu ici. Il y a rien d'autre là-bas. D'autres là-bas au fond. C'est hyper loin, mais ok. Ah non, je dis de la merde, c'est juste à côté. Et voilà, j'ai tout le quartz qu'il me faut. Ah bah non, j'en ai que 3, comment ça se fait? Ah bah oui, j'ai déjà les 3 verres avec moi. Hop. Alors, kit de câblage avancé. Lingot de titane aussi, merde. Ouais, il y en a plein, mais à la surface. Oh, tu vas me dire, c'est pas long. Ouais, ils sont tous à la surface, ces petits cristaux. Bref, titane, il y en a un à côté. Ah, voilà, je remonte. Faut que je remonte. Il est au-dessus. Il me faut quoi pour le kit de câblage avancé? Alors, le dernier verre. Deux câblages avancés. Deux argent, un or. Un or, deux argent. Non. Non. Hop. Normalement j'ai tout là. Ah, m'en manque un.
Pas pour moi. Hop. Voilà, j'ai fini. Enfin, juste le lingot de titane. Il est pas avec moi? Non, il est pas. Il est où? Là-haut? On va aller chercher tout ça. J'aurais fini ma base, apparemment je pourrais partir. Partir explorer. Là il faut beaucoup beaucoup de titane. Par là. Le signe bêta il est pas en jaune. Il doit être en jaune le signe bêta. Ok, je le retiendrai. Oui, le Squid Shark. Il faut que je tue d'ailleurs. Un jour, il faudra que je tue. Alors je serai. Un jour, je serai le meilleur des dresses. Ouais, non. Pas ah, sûr que ce soit la bonne phrase. Serais sûr, c'est pas moi. Oui, bien sûr. C'est ce que disent tous les coupables. C'est vrai. Matériaux de construction de base. Basique. Regardez dans la combinaison ce qu'il y a directement. Oh, il y en a juste à côté là-bas. J'espère qu'il n'y en a pas beaucoup. Il va y en avoir beaucoup. Je sens que ça ne peut pas être terminé. Pourquoi j'ai ça encore sur moi? Il y a quoi sur lui, oui? Ah, des choses très importantes. Allez hop, on va partir avec ça. On part en guerre, soldat. D'espace pour récupérer de l'eau. Et bah avant on redescend.
Je suis perdu dans cette zone qui est super simple normalement. Mon orientation il est pas fou. Ok, hop. 1, 2, 3, 4, 5, j'ai tout. C'est éteint ça ou pas? Ah ouais, hors tension. Trop triste. Hop. Nago de titane. C'est tout. Je crois que j'ai tout maintenant. Ouais, j'ai tout. J'ai les 4 verres. Oui, j'ai tout. Comment ça, moins 4? Comment ça, moins 4 direct? Et merde. Au 3 titane. Et un lithium. Calorie intake recommended. Oh, titane, lithium, j'en prends deux avec moi, j'en placer deux. Résiste. Ah, 24. Je vais éviter tout ça tout de suite. On va remettre un. De là. Je crois par contre qu'il y en a partout des. Seek fluid intake immediately. Il y en a encore, mais où? Mince. Là-bas peut-être. Ah ouais. Là, il n'y en a pas. Hop. Là, c'est bon, j'ai tout fait. Ah, la salle de scanner. On va aller voir. Ouais, voilà, il y en manquait un. Hop. Power integrity restored. Draining systems initiated. Quand il veut le coco. Ah, c'est bon. Ce que je voulais faire, je vais tous les attraper d'un coup là-bas. Chaque fois c'est plus long que je pense. Hop. Voilà. Qu'est-ce qui est arrivé? Ah, ça va. Problème là. Qu'est-ce qui bloque? Ah, c'est l'aquarium qui bloque. Ah voilà. Welcome aboard, captain.
45% de menace, ça a éclaté. Voilà. Ok, alors il me faut un fil de cuivre et un kit de câblage. Un fil de cuivre, un kit de câblage et j'ai tout. Merde. En plus de fluide. En plus j'ai pas quelque chose pour l'eau. J'ai pas le gros machin de filtration. Ah merde. Ouais je l'avais. J'ai plein d'eau sur moi. Vital signs stabilizing. Toutes les piles vont être mises en charge. Voilà. Au moins là, c'est en cours. Parti. 5 verres de titane. Un titane sur moi. Oh, je peux pas le mettre, je le mettrai plus tard. Hop, ça c'est tout bon. Qu'est-ce qu'il me faudrait? À part du quartz. Est-ce qu'il y a des minerais de galène? Ah, mais il y en a en plus. Ah non, c'est pas dans ma zone. Dommage. Dommage, dommage. Dans une autre zone, j'ai de l'égalène. Du plomb, là j'en ai pas. Hop. De l'acide. Ah, ça marche. Mais oui, bien sûr, de l'acide. Et codotes tant qu'il y est. De l'uranium enrichi, t'imagines? Non, j'en ai de l'uranium sur plus. Voilà. Hop, hop, hop. Ah, j'ai vraiment l'impression d'en avoir bien chié pour ces habits, c'est la con. Quoi. Bon, ma base est presque terminée. J'ai juste à placer les posters. Petit poster là. Magnifique. Là, c'est quoi celui-là? Poser là. Hop, hop, hop. Un dernier petit poster. Magnifique. Une petite touche dans la maison là. 1, 2. Deux, 3, 4. Ah, c'est mieux là comme ça. Hop, je vais juste me vider comme ça. Je suis tranquille pour la. Hop, pour tout en fait. On va vider mon petit vaisseau. Mais j'ai plein de poissons en vrai. Ils sont un peu lents. Titane. Ouais, là j'ai trop de choses ici. On va vider. On vide. En vide aussi. Ça le vide. Bah, titane il est vide de base et végétaux. On va le vider aussi. Simple. Rien. Ça, ça reste. Oh, ta petite base là. La petite base elle est quand même grande. Elle est microscopique. Tiens, on va mettre les métaux de transmission. Titane vient avec moi.
si ça vient avec moi. Je vais mettre titane résistance, hop. Tac tac tac. Fabrication avancée, bon, on va dire que c'est de la résistance. Ici on va mettre tous les cristaux, hop 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 hop. Ubionique en font partie. Et là j'ai encore plein de choses. Encore plus de titane. Ouais, bon. Il me faut 1, 2, 3, 4, 4 de titane, si je ne me trompe pas. Ouais, et 2 quartz. Et on va mettre le quartz. Et le titane, ça va venir tout seul. Allez hop, quartz. Voilà. Bon, c'est toujours bizarre que j'ai toujours pas les, le verre. Je peux pas faire de vitre sur mon habitat. Peut-être qu'il faut le trouver. C'est bizarre, moi je trouve c'est bizarre. Alors, ça c'est du nickel. Il y a du nickel. Ah, oh my goodness. OMG, il a dit nickel. What the heck, bro. Plus de quartz. OMG. OMG, il y a plus de quartz. Je te prie déjà. Bon, ça m'étonnerait pas beaucoup. Yeah. T'es un rapia toi hein. Et ouais. Alors. Hop, sport en fleurs. Ah, c'est des sports en fleurs. Je crois que c'est des sports de fleurs mais. Des sports de fleurs. Oh, putain. Ah, c'est des fleurs qui font des sports. Pas des sports qui sont des fleurs. C'est des champignons qui font des sports, espèce de. Tout fait des sports. Sauf moi, moi je fais pas de sport. Triste. Faible. Vous êtes persécuté, c'est ce que tu vas dire, espèce de fils de gentil. Ouais, je suis persécuté là. On va voir ce que c'est la persécution, oui. Non, non, je vais me faire attraper là. Tout va bien. Tout va bien. It's fine, it is fine. Plein de guys, choses. You fucking die. J'ai de la chance, j'ai pas mal de titane là. D'habitude j'ai que les minéraux, ça me sert à rien. C'est pas beau. Faut que j'ouvre pour que j'ai quasiment que ça. Un peu de nickel ici. Un peu de quartz. Encore plus de quartz. D'ailleurs c'est bizarre, il l'a pas détecté encore. Tu vas me dire le temps qu'il arrive ici. J'ai l'impression que c'est en train de lag force, je connais. De quoi? Parce que je fais un truc et ça ne le fait pas. Ah putain. Ça se retourne ça. On ramasse ça là-bas et je vais faire demi-tour, ce sera bon. Oh, quoique il me reste encore un peu de place. Là il me reste un de place, même pas. Je n'ai plus de place du tout. Oh pis. Plus qu'à retrouver comment on descend. Avant de crever. 50 secondes. Ouais, j'ai une minute. Ouais, tout va bien. C'est large. J'ai pas une minute en fait. Ça baisse plus que prévu. Merde, j'ai eu. Là-bas. 30 secondes, je crois que je suis mort. Mais c'est pas grave. Moi je rentrerai plus vite à la base. Ouais, mais pas en bon état quoi. Oh, tout de suite pas en bon état. Ah, tu vas devenir en quoi? 6 mois. Bah, je serai mort. Voilà. Qu'est-ce que je veux que je dise? Ah, voilà. Alors tu fermes ta gueule. Oxygen. Ok. Je suis perdu là. Ah, oh, faut que j'aille. No way, I'm dead. Bouge plus, ça sert plus à rien. Ah, t'es mort, mec. Jure. Sans blague. Tu peux dire voilà. No one's care. T'imagines le mec. Non, mon oncle est mort. No one's care.
Oh non, vous êtes mort, vous avez perdu quelques objets. J'ai perdu quoi? Si j'ai perdu tout mon titane, je pleure. Ouvre ton inventaire. J'ai tout perdu, quel fils de pute. Ah le A. Ah. Coup dur pour Guillaume. Et puis tu perds pas tout. Je rappelle que tu perds 2-3 items. Ouais, mais c'est below 0, donc c'est différent. Ouais, bof, la différence. Bon bah, allez, hop, je me retape tout. Hop. C'est vraiment pas ouf. En plus, il fait nuit. Mais d'une... Je viens de me faire mes baisers d'une violence. Ah bon ? Oh ouais. Oh, mais c'est sérieux. Je sais pas pourquoi j'ai tout séparé comme ça. L'ambiance n'est plus la même ici, bizarre. Ça devient sus. Suspect. J'aurais pas lâché une balise par hasard. Hélas, non. Plus qu'à retrouver mon corps. Le nord. Où le nord? Voilà, par là. En plus, il y a des trucs d'oxygène un peu partout, je suis trop bête. Hop. Alors je sais pas, est-ce que je vais retrouver mon corps ou alors je vais devoir me débrouiller et tout récupérer? Ah, je crois que la question on l'est vite répondu. J'ai toujours mes outils. De toute façon, les outils, j'ai remarqué, on les perd pas. On ne perd pas les outils. Bah, heureusement, sois content, merde. Non, je suis pas content. Je perds tout mon stuff. Je parie que j'étais juste à côté de la sortie. Soit ça, soit la mort. Alors. Attends. Est-ce que les items restent par terre ou alors 63, 92. C'est fuck off, j'ai tout perdu. Non, c'est fuck off, j'ai tout perdu. Et tant pis. Bah tant pis, on va tout refaire à la main. Il y a du coin un peu partout en vrai. J'ai pas besoin de autant, mais. Ah, plus qu'à se balader tranquillou. Là. Il y a plus beaucoup de fragments. En plus, je suis un gros con, j'ai une carte sur mon. Oh là 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 là. Yeah. Bref, tous les éléments disent que je suis bête. Et pouvez-vous argumenter contre? Oh, j'ai tout retrouvé, let's go! On va faire plein? Comme ça, on va faire plein. J'ai trop de quartz, j'ai pas besoin d'autant. Hop. Bien sûr, j'en ai du quartz. Mais merde. Je voulais ça. L'argent, je m'en fous. Y'a encore du titane? Ouais, j'ai plus qu'à me barrer. Par où la sortie? C'est bah par, c'est pas par là. Par derrière. Oh, c'est drôle. Oh, t'es pas fun. Très drôle. Non, je rigole. Hop, on part. Par là. Ce jeu me fait découvrir que mon sens d'orientation est négatif. Il n'est pas nul, il est négatif. C'est pire. Titane ici. Hop. Bazelou. Ah, elle est vraiment au fond. Moi, je m'étais mis un peu plus au nord, mais même pas. Là, je suis arrivé. Je vais mettre le dernier compartiment, ce sera bon. On va repartir à l'aventure.
Voilà. Ok, parfait. Ok. Hop, on va faire 1, 2, 3, 4, 5 verres, il me faut. 2. 3. 4. Oh, il me reste encore du quartz. C'est-il pas beau ça? Merde, au loin. An aquarium just for looks, or your own personal sushi factory. You decide. Je vais pouvoir entrer là-dedans. Ah, faut que je mette une écoutille. Bac de culture. Ouais, y a un bac de culture immense. J'ai compris. Chercher des affaires. Hop. New creature discovered. Ah non, déjà j'ai tout ça. New creature discovered. Végétaux. Je vais mettre les spirières. Incroyable. Hop, et on dépose tout. Voilà les petits poissons, amusez-vous. Parfait ça, j'ai plein de petits poissons. Les spirières elles poussent. Bah voilà, je suis tranquille. Végétaux ici. Un quartz. J'ai ta sœur. Aussi. What? What the hell? Qu'est-ce que c'est cette là? Hop. Oh mon cyclette, il n'y a plus de batterie non plus. Bien. On va dormir. On va dormir et là maintenant on part à l'aventure. Let's go. On va aller chercher déjà le PK8. PK, je sais plus c'est quoi son nom. Truc muche quoi. Voilà, truc muche va très bien. Bidule, machin, je sais pas quoi moi. Oh. Non, t'abuses. Bidule c'est mon prénom. Je m'appelle pas Bidule. Ok. Quel chiant. Quel chiant. T'as vu ça? Wesh, pour 52€, hein. Ouais. Que t'entends. Tu as tous les Borderlands. Avec tous les DLC. Combien tu as dit? 52€. Attends. Au lieu de 662. J'ai pas très bien entendu. Combien? C'est pas cher. Bah oui, regarde le screen, frère, je vais même l'envoyer à Alec, il va être chocbar. Hein. Je suis déjà choc. Oh merde, j'ai déjà tout récup, quel con. Pour 52 balles, plus que ça. Alors, tu as tous les DLC du 1, tu as le 2 qui est offert. Le 2 qui tu est as tous offert les, tu as tous les DLC du 2. Je crois que je les ai, bon, déjà, je les ai tous déjà parce que je suis un gros pigeon. Pareil. Tu as The Press Equal avec tous les DLC. Tu as Borderlands 3. Ah, le Season Pass il est gratuit, wesh. Ah bon? Ils l'ont calé gratuit, les enculés. Oh, je vais prendre. Alors je joue plus au jeu depuis des années. Et tous les DLC de Borderlands 3, mais je les ai déjà. Ouais, j'ai vraiment tout. Et les nouveaux Borderlands. Wow. T'as platine tous les Borderlands ou pas? Non, j'ai platine le 2, j'ai fini le 3. Ah, et ah, le c'est quoi, j'ai jamais fini. Avant de partir, j'ai coupé la salle de scanner parce que sinon ça va être
Le gros bordel. Avant, j'avais presque tous les succès de Borderlands 2, mais il se peut que un fils de pute de bug à la con, mais tout retiré. Du coup, avant, tu vois, j'ai le bloc des succès que j'avais déjà avant. Je suis en mode bon. Ah, ça c'est triste. Quand te dire en une langue que tu comprends, va bien te faire reculer. Voilà, cordialement. Moi. Welcome aboard, Captain. Ouais, c'est ça, welcome aboard, Captain. Welcome to the Gulag. Tout ce que je veux, c'est le Léviathan ténébreux. Parce que ce petit connard, il fait peur. Non, il fait pas peur, c'est juste que je veux savoir où il est. Hop. Voilà. Eh oui, j'ai vraiment monté dans mon pram comme un gros débile. Aïe aïe aïe. Tu es con. Con, c'est tout? Ok, bah d'accord. Tu es fada. Ok, là c'est mieux. Hop, ici. Et voilà, on se casse. Je sais même pas par où c'est la sortie. On va avancer où? Eh bah c'est au paradis. Et là, ça marche pas. Bah non, je crois pas que c'est le paradis. Tu vas fermer ta gueule. Ok. Ok. Si tu le dis comme ça, je veux bien respecter ton choix. Le gros taré. Comme ça, taré, tu veux pas dire normal. Non, non, toi, t'es taré. Man. Attends. Regarde vite fait un truc. J'ai regardé ce que tu m'as envoyé hier. Ah ouais, alors. Tout ça pour ça. Moi je dis bravo au petit. Ah, il est fort quand même. Il faut le faire. Tu peux être modérateur. Non, c'est simplement pour dire. Non, non, ouais. C'est juste pour dire. Voilà. Vous l'aurez pas. Triste. Après, elle est un peu bête, elle aurait dû s'en douter qu'il y a un mec qui allait venir et dire ça un jour. Ah voilà, c'est bon, je suis parti. Hop, on est parti à l'aventure. Appel d'origine extraterrestre, je l'ai déjà fait celui-là. Ok. On va faire le PK8, il est juste à côté. J'allais le voir. Calorie intake recommended. Ah merde, j'ai plus de. J'ai vraiment plus. Ah, il est con. Bah, j'ai pas de bouffe. Y'a-t-il pas des poissons dans les environs? Ori, non. Un poisson. Merde. Donc je mange et j'ai pas de poisson à côté. J'irai en chercher plus tard. Quand le jeu me dira vous êtes en train de mourir, j'irai. Ok. Si je fais ça, on va chercher un petit poisson. Ah, comment on tire? Nice. Comment on tire, monsieur? Alors, je crois que j'ai juste un souci de touche parce que ça, je clique, ça ne fait rien. Alors, oui. Un autre petit poisson, c'est... bonne fiche. Ouais, bah c'est bien tiré, mais ça marche pas. Ouais.
Ouais, mais c'est quoi la touche pour Vous retournez l'estomac, d'accord. Vital signs stabilizing. Parfait. On se casse d'ici. Je l'aimerais bien tirer, monsieur, s'il vous plaît, mais vous m'en empêchez. Je peux pas tirer simplement, mais wesh. J'ai cassé mon crâne, je peux pas tirer. Je peux pas tirer. Non, je ne peux pas tirer, je sais pas la douille, mais... Non. Non, ça fait rien du tout. Mais je jure, j'ai l'autorisation de faire feu, mais ça marche pas, c'est cassé votre bordel. Je te jure, je vais casser mon crâne. À quel moment ça fait véhicule aérien, ça tire parce que c'est terrestre, et véhicule aérien déplacement et combat. Contre-mesure, j'ai klaxon. À quel moment il y a un truc de tir? Je sais pas, peut-être F. Je dis ça, je dis rien, hein, mais je dis des trucs au pire. J'ai toutes les touches. Il y a alors. Une part là. V, B, N, hop, hop. Je sais pas où il est, à tous les coups il est pas à côté. J'ai cherché un autre endroit, peut-être par là. Oh, il est. Va falloir régler ça là, parce que quel an, je peux pas tirer. J'appuie sur toutes mes touches, ça fait rien. Par là. Mais. 300 mètres. Oh, mais j'en savais rien là, mais c'est quoi ces touches pour tirer, c'est R. C'est quoi la touche? Mais c'est 1 et 2. 1 et 2, mais c'est bizarre comme touche. Mais ils sont cons. Oups. Ah oui, d'accord. Ah ouais, en fait c'est parce que ça change de touche du coup, ok. Ok, c'est bon, j'ai compris, et bon. Toujours dans la zone ennemie. Attends, 3 peut-être. C'est bon. Je veux dire, il est bizarre celui-là. Ouais, il est immense le machin là-bas. On va suivre la. Mais ça tire pas avec le 25 mm en fait. Ah. Oh, il y a un trou. What the fuck? L'anus du monde. Ouais, l'anus de la planète, tout va bien. Mais attends, mais c'est totalement con! Artefact. Je vais casser mon crâne, je peux tirer qu'avec les plus gros, mais je peux pas tirer avec le 25 mm. Oh, vous allez commencer à me casser les couilles, je vais pas retirer ma manette, mais vous allez voir ce que ça va donner. Allez, je vais faire une seule mission à la manette, parce que c'est totalement bugué avec moi. Hop, Artefact architecte. Non mais faut pas être con là, le jeu. Le jeu m'empêche au sens propre de jouer. Non. Du coup, c'est quoi les touches? Alors du coup, j'ai pas écouté ce qu'ils ont dit. Rendez-vous là. Comment ça, tu me casses les couilles? There could be a million reasons for that. Like, what if the network had a system update? They're on version 2001.4 and you're still on version 14.2. That would make me incompatible. How would I even begin to plan my upgrades? Sauter, franchir. Is that what I meant? Bad example. Par défaut. You still know how to get home? Yes. So don't give up. Go there, see for yourself what happened. You are expressing optimism. Mais rendez-vous dans les menus paramètres pour me dire quoi, disposition en cours, explique-moi là. Hope isn't based on statistics. It's born from a drive for something better. Mais je ne peux pas. Oh, il n'y a rien qui marche, je jurais. Hope is human. Espoir est humain, espoir est ah oui. Oh right. Hope is the thing with feathers. Oh, aucune description de la faune disponible en fait PDA. It's a line from a 19th century Earth author. Emily. Bon, alors avec la manette je ne peux pas décaler la visu, avec le clavier je ne peux pas attirer, va falloir me donner des explications, monsieur. L'argent l'âme et inlassablement chante un air sans parole. On a réponse d'une manière ou d'une autre, Alan.
C'est bon, ça marche. Ajouter à votre base de données. Il a ajouté espoir. N'importe quoi. Il est fou ce bougre. C'est bon, ça marche, j'ai réussi à régler le problème. Je sais même pas pourquoi c'est bugué. C'est quoi ton problème? Mon problème, c'est que le jeu, en fait, il détectait mal la souris. La souris? J'ai réussi à détecter pas le clic gauche, en fait. Bizarre. Il a vraiment mis espoir. Un costume de plume se perche dans l'âme et inlassablement chante un air sans parole. Ah, il a mis toute la analyse. Trouver l'espoir et le garder. Ok. Parfait. On va aller trouver l'espoir. Par contre, là-bas, c'est le dernier artefact. J'espère que ce sera important. Tout à l'heure, j'ai appuyé sur F1 pour voir quel biome on était. Parce que j'avais un peu peur. Il y a tout noir et tout là. Tant que j'ai pas un message qui me dit vous arrivez dans les bords du monde, tout va bien. Les bords du monde, ça fait hyper peur. Mais full nord-ouest. Par les os. Par l'iceberg. Non, pas du tout, je retourne vers la base. Ok. X3J. Le côté de la capsule. Oh. Va se trouver dans ce biome là. À 150 mètres de profondeur. Là doit y avoir un trou ici. Non. Un trou là peut-être. Ah ouais. Je sais, y a pas de civil. Arrivé. Quand les tirs sur les bâtiments vont atteindre encore des règles engagées. Non, mais c'est pas possible. Est-il Étienne? T'as tué un civil encore? Non. Non, non, j'ai détruit un bâtiment, il a pas aimé. Un bâtiment? Ça va, c'est pas la fin du monde. Hop, par là. J'aimerais bien scanner, mais. Perdu là, on va réparer un peu le bateau par contre. 88, 90. Alors là. Ok. Artefact d'architecte. Pas de survivant. C'est tellement chiant cette mission. En fait, faut comprendre les trucs et tout. Faut mettre des touches qui marchent pas. Ok. Quoi cet artefact? Données extraterrestres. Planage du sol. Excavateur de fossiles. Ah voilà. Station d'analyse de l'eau. Ce qui ressemble à un appareil de recherche semble avoir été construit pour déterminer les composants et propriétés chimiques d'échantillons d'eau. Test le niveau de la bactérie Cara dans l'eau. Analyse spectroscopique. Application expérimentale de la lumière, la chaleur ou les composants chimiques via le noyau cylindrique situé sur le centre de la salle de stockage. La statue extraterrestre. Et la structure. Non. Ok. Les architectes. Pas bien. D'ailleurs, il m'appelle pas. M'appelle toujours après. Oh, il devrait bientôt m'appeler. Petit Alan. Petit Alan. Il y avait un gros trou ici, j'avais même pas vu. Du coup, j'ai tout vu. Pilote est là-bas, on va retourner voir le pilote. A tous les coups, j'ai un truc que j'ai loupé là-bas. Ça me tue, c'est vraiment, il fait la porte est ouverte. Moi, c'est sûr que les détruire avec un 40 mm, ça marche mieux. Hein.
Il l'a vraiment détruit avec un 40 mm. Oui oui, bah je pourrais l'attaquer avec un LMT, mais comment te dire que quand ça pète, ça fait pas qu'à moitié. Ok. Bon, avant faut aller rebrancher le vaisseau parce qu'il a plus de batterie. Pour ça, on sait plus grand chose. Civil, civil, pas civil. Hop, 600. Assez long les trajets. En plus, là, je sais même pas où je dois aller maintenant. Alors, retournez voir Margaret. Peut-être qu'elle a des choses à nous dire. Peut-être pas. Peut-être pas. Mais je suis sûr, c'est que j'ai plus de batterie. Alors, soit je me fais une petite batterie de rechange. Soit. Ah, bah non. C'est ce que je vais faire. Je vais me faire une batterie de rechange. Comme ça, on sait jamais. Et je tombe à plat. Voilà, je suis arrivé. Oh bon, alors là fallait pas le dire deux fois. De quoi, le mec il s'est dit quoi? Fais la volonté. Ouais. Parfait. Plus d'armes mexicaines là? Déjà? Putain, les mexicains, revenez, j'ai pas fini de jouer avec mon Jojo! C'est quoi, le Jojo c'est les mexicains ou? Bizarre si c'est. Je suis dans un énorme avion de combat, si tu préfères. D'accord, je vois. Avec des très grosses armes. Le cube unique, j'en ai pas deux. Alors, on va faire une batterie. Batterie ionique. C'est bien ça. Deux or, deux argent, deux lithium. Deux or, deux argent. Et du lithium, please. Regardez, elle est où? Ah. Je vais regarder si j'ai pas un troisième cube ionique. Ah si, j'en ai plein d'autres. Hop, j'en prends un troisième, c'est important. Ça j'aurais une petite pile de Cyclade hyper rapide. 1, 2, 3, 4, 5. Je prends un de tout, comme ça, quand je retournerai à la base, je serai tranquille. Voilà. Hop. Ah oui, il me manque une plante. Comme ça. Voilà, et un sac gélatine. Et un truc comme ça. Voilà, comme ça. Dans ma base qui est tout en bas, j'aurai tout. Mettre ça dans les cristaux. Y'a pas de cristaux. Voilà. Au moins là, j'ai tout. J'ai tout ça. Je vais chercher les trois pauvres lithium qui me manquent. C'est vrai que logiquement on vient de la plus loin là-bas. Ouais là-bas. Non, j'en ai deux. Enfin, potentiellement deux, ça se trouve ils sont dans les murs et je peux pas les chercher. Hop, presque arrivé. Ok, je prends là. Les potes, toi.
J'ai un lithium juste là. Il est dans le mur. Mais quoi, il est pas mort? Au pire, j'en ai deux au fond. Oh, j'en ai deux là, c'est bon. Ah, je l'ai fait exploiter. Il y a vraiment des gros bruits. Non. C'est bien, bien bizarre, c'est tout. C'est combien là? Ok, donc un troisième. Alors lui. Ah, celui-là là-bas. D'à côté. Ok. Lui est plus proche. Est-ce qu'il m'en faut un pour la grosse pile ionique? Il faut que j'en reprenne un. Quoi? Des câblages? Bon, ça va. Des points chers. Yeah, j'ai même un peu de chance. Parce que devant la base, j'ai plein de, d'argent. Je vais en récupérer un petit peu. Ouais. Je vais en avoir déjà. Un d'argent. Deuxième, peut-être. Ça va péter. En fait, c'est ça qu'il faut. Voilà, là il y en a plein. Deuxième d'argent. Parfait. C'est tout good. Tout ce qu'il me fallait. Merde. On va dormir. Ok, parfait. Power restored. All primary systems online. Ah, j'ai tout fait péter. Et t'es content, je parie. Bah ouais, ils sont tous morts. J'ai okay. Fait péter des baraques aussi. Ça, c'est cool. J'ai pas le droit de tirer sur l'église, mais... Kit de câblage. Ah ouais. Et j'ai ma batterie unique. Bon bah alors là. On va les mettre là dans le petit coffre. Allez, sous. Ça sera arrangé. Et hop, on part. Quoi? Pour lancer une fusée d'éclaireur lorsque vous êtes ciblé par un missile, bah j'ai appuyé. Bon, là je vais par là. Pilote. Ouais. Dernière position connue. Pas mal, ça va nous amener à... au Shadow. Et question à part, est-ce que y a un truc après ce Shadow? S'il y a rien après le Léviathan de Célébreux, vraiment c'est trop triste. Bon, alors là Mais je pense qu'il y a quelque chose. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il me faut pour faire la structure de Alan? 3 diamants, un polyalnili et un ingot de place acier. C'est pas si cher que ça en vrai. Un peu chiant, mais ça va. Pas cher. On va dire qu'on a connu plus cher. Comme la base là en bas, ça coûtait une blinde, donc pas grand chose. Merde, j'ai mis slick. Fais gaffe. Il est juste derrière nous, le Chili Serrat. Hop, non, c'est bon, il est pas derrière nous. Il serait encore derrière, je serais mort. Il m'aurait gobé, quoi. Je serais pas mort. Voilà, on est arrivé. 200 mètres. Oh, je pense pas qu'à de civils.
Bon, j'ai un peu nostalgique du Cyclope de Subnautica 1 là, parce que. Bon, c'est pas fou le petit truc. Même si c'est bien, c'est modulable et tout, mais. Vous pouvez tout mettre dans le Cyclope. Et il est là, Léviathan Ténèbres. Alors là. Quoi encore? Non, c'est bon, celle-là. Ah, je m'étais paumé, mais non. Bah, mais je te dis. Et si je crois que je me suis paumé. Donc je suis pas perdu. Et si, je suis perdu. Peut-être plus bas. Non, ça. Et là, il y a un trou. Dans du pont. Où est-ce qu'il faut que j'aille? Ça va dans du pont. Non. Du tout droit. Ok, parfait. Je le sais maintenant. Ouais, c'est la bouffe. Ça se trouve, j'y étais déjà en plus. Oh non, ça m'étonnerait. Parce que là, maintenant, je reconnais. C'est là en bas à droite. Gauche. Faut que je mange, mon personnage a faim. Hop, ah c'est bon, je suis arrivé. Je suis arrivé chez Margaret. Je sais pas si elle peut me raconter d'autres choses ou alors elle peut m'aider. Je pense que non, mais on peut aller chez elle. Parfait. On va lui faire coucou. Encore vous. Rien à dire, ok. Oh bah alors lui. Vous êtes des survivants? Va plus maintenant. Journal de Margaret. Ah c'est méchant. Oh les chiants putain. Alors c'est stylé de tout faire péter. Mais qu'est-ce qu'elle était chiante. The flesh was starting to rot. Douche. Qu'est-ce que c'est que ça? Des toilettes? The rotten meat began to stiffen and freeze. Slowly, almost imperceptibly, the reaper began to lose buoyancy. We sank a little each day. My sanctuary was becoming my tomb, and I was at the mercy of the current and the winds. Until one day, I saw a smattering of penguins in the distance. Swimming birds usually mean solid land of some kind. I was lucky. The winds followed their path. Hours later, I saw a blessed sight. An unmoving cloud sitting upon the water. Land. Ta ferme était proche. I renewed my spirit as I watched the land get closer and closer. The reaper slowly sank. Le faucheur a fini sa course pour rejoindre l'océan, suffisamment proche pour rejoindre un rivage à la nage sans forcer. Pas mal. L'histoire est incroyable. I made a note to come back for the Reaper skull. I didn't ride the beast for 3 weeks to have no proof. Land never felt so good, even in this Arctic hell. T'es folle de joie. Tu m'étonnes. Tu reviens à un crash et en plus de ça, tu gagnes un crâne de faucheur Léviathan. Incroyable. Fais gaffe, oh. Léviathan Ténébreux qui est là. Moi, tout ce que je veux, c'est aller plus profondément. Et Léviathan est tout là-bas. C'est chier. Bon, de toute façon, je vais aller vers lui. Ah non, je vais aller par là en bas. Moi, je veux aller tout en bas. Profond possible. Pourquoi? J'en sais rien. C'est comme ça. Je vais au plus profond.
Par contre, c'est hyper grand ici. Léviathan Ténébreux ne bouge pas, c'est très bizarre. Si c'est bon, il bouge. Et on va se cacher ici. Carte. Juste en dessous de moi, ça descend. Mais plus loin. Ok, à droite. Plus loin à droite, ça descend encore plus. Ça, ça m'intéresse. Là, ça descend. Pour sélectionner ça, on sait jamais. Si le Léviathan décide de venir me attaquer. Oh. Il y a plein de distènes. Cassons-nous d'ici. On va pas nous attraper après. C'est pas mal. Ce petit trou qui sert à rien là. Inutile. Est-ce que ici ça va servir? Non, pas plus. Là-bas ça descend aussi. Ouais, là ça descend pas fou, mais. Bon. Ici, je prends. Là, ici non plus, c'est pas fou. Ça descend encore plus quelque part. Oui. Là, faut que je remonte ça à gauche. Je suis pas très loin. Ok, plus loin. On va descendre encore plus loin. Par là. Il les a bien baisés. Ça, on ne sait jamais. Où je remonte, ce sera derrière moi. Ok. Hop. Je remonte là et c'est derrière moi. Là où il y a le Léviathan Ténébreux, super. Allonger. Oh, ça se trouve, c'est juste là. Pas ça se trouve, c'est juste là. Voir la vache. Ça descend. C'est vrai qu'il y a pas mal d'avant du cartel là. Parfait ça. Hop. J'ai l'impression de découvrir l'Australie. Le chien de valeur se trouve près d'ici. Certain. Pourrait vous aider à construire mon corps. Ok. Allons voir ça. Ça à gauche. Alors avant. On va réparer le bateau. Faudrait pas qu'il coule au fond de l'océan. 5. Voilà, parfait. Tête là. On a une mission commando habillé avec. Comment ça s'appelle déjà les trucs du camouflage? Un ghillie shoot. Un ghillie shoot, ouais, la chercher. Ça veut dire wing shoot, ça allait pas marcher. Wing shoot, c'est pour. Qu'est-ce qu'il. C'est pour sauter dans les airs, je crois. Parce que j'ai appuyé sur shift, je crois. Du coup, il s'est levé. Waouh, cet endroit est super beau. Y'a un truc là en bas? Il n'y a absolument rien, ça sert à rien. Je remonte. Est-ce qu'il me reste encore beaucoup de succès à faire? Ouais, il me reste 4. Bizarre. Composant de l'architecte. Ah, c'est ses organes. Robot extraterrestre. Ça a l'air bien dégueulasse.
J'aurais la capacité de construire des organes bioniques avec le matériau scanné. Des primaires comme des secondaires, et construites de telle sorte que les doublons sont possibles. Ça coûte quoi ces organes? Un cube bionique, deux plantes à ruban, trois distènes. On va ramasser une distène qu'on va croiser. Y'a pas beaucoup à la maison. You have found two of the three components required for the construction of my corporeal form. This is as close as I have come to autonomy in a long time. You have such a way with words. Is that sarcasm? It was. You're learning. Hopefully, I will not have time to complete my study. I was wondering, if you can transfer bodies, why was it important to find a cure when you were infected? Couldn't you just make a new body? As you can see in the components you have scanned thus far, the forms we require combine biological and cool. The tissues you have scanned were developed from the DNA of 27 separate alien species. 27? That seems greedy. And wouldn't that mean that anything that infects a body you've manufactured can potentially learn how to infect all those other species? Yes. That is why a cure. Et le petit dernier, lui. Attends, je peux aller encore plus profondément. Moi, je vais aller au fond de l'océan. Pardon? Ça, pardon. Mais c'est une blague. Non. Moi, j'ai vraiment envie d'aller au fond de l'océan. Donc, un diamant. Alors, je viens de mourir parce qu'il m'a vu, mais le gars qui est passé tout à l'heure m'avait pas vu. J'ai pas compris. Et il coûte super cher à faire le petit robot là. Deux plantes à ruban, un cube ionique, polyniline, la goutte place acier. C'est quoi le polyniline? Polyniline, acide chlorhydrique et or. Oh, un dépôt de sel, pour une fois que ça va m'être utile. D'accord. Je vois. Cube ionique et deux plantes à ruban, je crois que j'ai pas ça. Hein. Un ruban. Ok, bon, je ferai ça à la base plus tard. Avant, je vais poser mes affaires quand même. Là, tu me vois pas, fils de pute. Il faut que je me vois pas. Oh là, il me casse les couilles. Bah, t'as la con. Ah non, c'est là-bas. Là. Deux, trois poissons, je serai tranquille. Chercher des poissons. Ok, le léviathan est juste à côté. Peut-être que plus profondément il n'y a pas de poissons. Il y a des poissons. Il faut nord. Ça n'avait rien ce que j'ai fait. Oh, mais même ça c'est un camouflage. Attends, je suis con. Il faut nord. Non, 4. Cardiaque. C'est de plus en plus large ici. Cool ça. Ouah, l'entrée de taré qu'il y a ici. Même pas fait gaffe. New creature discovered. Troisième. Et peut-être un quatrième. Ok, ouf. Hop. Ah.
mangeons. Vital signs stabilizing. Et cassons-nous d'ici. Rentrons à la base. Cet endroit est peut-être très beau. Très dangereux. L'ado est par là. On va donc parler. On va donc passer par là, je veux dire. Ah, il porte. Deux petits lithium, ils surprend pas. Moi je l'ai déjà, donc ça va me faire du titane. Ah, même pas, je l'avais pas. Okay. Très intéressant. Bon, tiens, ici j'ai toutes les ressources du jeu si je veux. Très intéressant de faire une base ici. On reste les plantes. Me fait plaisir. Ça se trouve je vais pas revenir tout de suite ici. Je ramasse. Il y a encore plus de lithium. En vrai j'en vais faire une petite base ici. Salle de scanner, salle multifonction, je serais tranquille. En soi, je peux juste courir et savoir quand il y a un mec, mais là il y a personne. Je peux faire ça et se faire salut, captain. Pas envie de me taper l'animation. Passer par là sera plus simple. Il fallait quoi pour ses jambes d'ailleurs? Bon, j'ai le lingot de l'assassin. Pauvre éolienne. Hop, lingot de l'assassin. C'était pas prévu que celui-là soit juste là. On va se barrer par là. Je sais pas où il est, c'est très très dangereux. Je sais aussi pas où est la sortie donc ah peut-être par là. Non, ça remonte. Allonger le plafond, peut-être qu'il y aurait une sortie. Peut-être par là, là, il y aura une sortie. Deux encoches et demi, attends. Ah ouais, c'est par là. Ok. Je suis arrivé au même endroit que tout à l'heure. Ça veut dire, je ne sais pas où je suis. Ça remonte, mais pas de sortie en haut. Oh, ouais, donc casse-toi. Ouh.
Il m'a fait super peur. Qu'est-ce qu'il veut dire changer de position? Il veut dire quoi? Que je me décale ou que j'attende qu'il se décale? Ouais. D'accord, j'ai fait tout le tour de la map et je suis arrivé ici. Ok, super. Je suis encore plus paumé que tout à l'heure. Ah non, c'est bon, je vous chie. À quel point je peux me décaler pour pas qu'il me fasse chier? Hop. En soi, tu te mets là. Voilà. Pourquoi? Mais tu veux que je me décale jusqu'à Los Antopoulos? J'arrive même pas à les voir là du coup. Non, j'ai pas l'idée du tout, frère. Qu'est-ce qui baragouine? Par là. Par là. J'ai largué une balise. Mince. Quand je suis mort, je l'ai peut-être pas récupéré. C'est pas très grave. Je suis jamais fait choper par le par celui-là. Pourtant dans le trailer on voit qu'on peut se faire choper. C'est peut-être pas très grave mais un petit point de détail. Ah, il est là. Alors je me décale à gauche. Ok, par là. Entrer à la base là. Là, à 200 mètres, j'ai une balise larguée. On va aller voir c'est quoi. Ça se trouve, j'ai juste complètement oublié. Soc. Ah, c'est quand j'étais mort la dernière fois, ok. Ok, je suis bientôt rentré. Faut juste que je me perds pas. Attention. Nord-ouest la sortie. Hop. Après ma banque. Ouf. C'est vrai que le Léviathan Ténébreux est juste là, mais c'est fou en plus. Il est pas là. Ça va pas être très compliqué, je vais mettre approximativement là. Ah, on a pas de caméra arrière, on peut pas savoir où on est. D'accord, je suis juste au-dessus. Il reste encore des mecs, tu vas me dire. Ils sont morts. Ils sont morts. Et je comprends pourquoi j'y arrivais pas. Civil. Mais y'a plus de civil. Hop et voilà. Il doit vraiment en manquer juste un, je suis sûr, à 300%. Et voilà. Par contre, il est où? Ça, c'est une excellente question, parce que je ne le vois pas. Cherche qui? Ah, mec, je sais pas où il peut être, mais... Ouais, donc il en manque vraiment un, parce qu'il me dit, ça confirme qu'il en manque un, mais... Ouf.
Là, il y a les civils. Personne qui les surveille. Là-bas, mort, 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 mort. Mais ils sont tous morts. Dis-moi où tu vois ton mec, parce que là... Bon, je crois que j'ai tout pour... Ok, là, c'était les derniers, je crois. Ruban. J'avais posé ça déjà. Derrière. Allez, 6 de titane, pas très rapide. C'est stylé ça. De toute façon, qu'est-ce que tu veux te faire de plus à part attendre? Rien. Hop. Allez, 6 de titane, c'est pas compliqué normalement. De toute façon, j'ai pas de place. C'est rapide. Je dois en avoir plein dans les coffres. Regardons ça. C'est qu'il y a 2 C3 à pied, putain. On va ranger les coffres avant. Les cristaux, c'est là. Petit cube unique. Elle, ça va là. Alors là, tenue de camouflage, gère mieux tard. Ah, de titane, c'est déjà ça, on va dire. Oh, en soi, je pourrais tous les caner d'un coup là. De quoi faire 2 titanes, moi. Là. 1 titane. Il y aura sûrement un deuxième. Ah, je lui, j'aime pas comment il m'arrive dessus. Même pas. Ah, le bug. Ah, je l'ai vu, le bug. Quel bug? En gros, le mec il est monté dans la bagnole. Ouais. La bagnole est partie mais lui son corps il est resté. Oh non, sérieux. Ah, les bugs de l'ancien. Ah, pas mal. Le vieux bug éclaté. Ah mais les mecs avec le casque de PUBG, vous allez commencer à me casser les couilles ou peut-être que je vous grenade la gueule. Hop. Bon, je peux avancer. Trop con, le dernier sac gélatineux il est là-bas. Même pas. Mais là, je suis cramé si je dois les affronter. Vous voulez pas vous casser, les gars? Voilà. Ah, j'ai tellement de lithium, j'avais pas vu. Bah, okay. Va falloir vite que ça passe. Voilà. Hop.
quel moment je suis discret en train de... de trucs. Il n'y a même pas d'herbe là, j'avance. Il m'a fait trop. Je vais la faire en toute discrétion. Parce que la première mission de discrétion qu'il fallait faire... discret avec un flingue, oui. J'ai pas été discret. Du tout. Ah bon? Ouais. En fait, j'avais été cramé, mais à chaque fois que je voulais faire un truc, je pouvais pas, c'était affreux. Un dépôt de sel. Oh non, je crois que j'ai même pas de sel ici. Il paraît qu'il faut que je remonte à la surface en chercher. Oh. Oh. Faut que je remonte chercher un sel. Est-ce que j'ai tout sinon pour le faire? J'ai tout. C'est vrai que cette arme, je l'aimais bien. Fourrure de rôdeur de neige, je sais même pas comment on fait pour l'avoir. Hop hop. Non, c'est où? Là. Ouais. Un de sel. Bah, un sel. Ah bah vous savez quoi, je vais pas aller chercher du sel hyper loin. Ce que je vais faire, c'est aller chercher le truc du filtration d'eau. Que je trouve ça trop. Et de toute façon il m'en faut. Si j'ai pas beaucoup d'eau. Mais là je peux pas un truc. Vas-y. Cool nord-ouest. Normalement dans le vaisseau Mercury 2 il doit y être. Si mes souvenirs de ma dernière partie sont bons. Ouais. 3 hein. Ça 3. Alors ouais. Charge explosif? Non. Alors, le conduit d'aération. Bah golem, je sais pas où il est votre conduit d'aération, attendez. Conduit d'aération? Ouais. C'est la trouver normalement. Bien normalement. Ouais. Là je trouve pas. Mais ils disent qu'il faut que j'envoie par un conduit d'aération. Y'a pas un truc ici, non. Je te jure, je vais essayer un dernier. Fuck you. Et galère de sortir de cet endroit. En fait, je vois vraiment pas le conduit d'aération, il est sur le toit là. Pilote-il là-bas? Ah, les lacs, vous voulez? Le plus au sud, il y a le vaisseau. J'ai bien normalement, je ne sais plus trop. Ah, il est là. Il est juste là le vaisseau. Parfait. Normalement, il y a une entrée là-bas derrière. En fait, la map est pas très grande, mais voilà tellement que on sait pas où c'est. Et ils ont pas ouvert, j'ai cassé mon crâne. J'ai la crime à la gueule. Ton lacrymo la tronche. Je l'ai aisé, le lacrymo la tronche. Ah, ils veulent pas sortir, hein. Ouais, bon. Allez, ouais, rentrer ici, je sais même plus. Oh. Un peu galère.
Allez là. Ah, fuck off. Deux fois sur F. Non, il m'a mis une tête. Non. Bon, ça aurait été plus. En fait, j'aurais dû faire ça. Ah, je suis trop. En fait, voilà. Par là. Pardon, mais c'est aberrant, je leur mets du gaz à Crimo et tu me dis qu'ils s'en battent la race. Ah peut-être. Alors là je vais avoir un petit souci technique. Décollage d'urgence. Orion's belt, this all went sideways. How could I have known that so much would go wrong? I failed my crew. No. I don't fail. I didn't get into this position by being a failure. It's this desolate land. Qu'est-ce qui se passe, c'est je vais caler F. Cursed. Ah, le pont est plutôt grand du vaisseau. Between these tunneling creatures, and the strange sickness that a few of the crew are showing symptoms of. We have to leave at first light tomorrow. We are prepping for a rapid takeoff. We can't take chances with the vibrations drawing the tunnelers, so we're skipping the systems check. Risky, but I have faith in myself and the crew of the Mercury. Landing this thing was practically a miracle, though. But we have to get out of here. Maybe the weapon is to keep people away. But if we leave, it'll let us go. I have to leave the quarantined crew in the cave behind. Là, c'est le grand entrepôt, là. But we can't risk an unknown infection spreading through the Mercury. Ah voilà. Filtre à eau. Incroyable. But there's only enough surplus for about 2 weeks. Non. Telling them. Non mais j'ai plus de balles. Ah non, sérieusement. I don't think I can land. Non mais j'entre et ça fait ça, j'ai cassé mon crâne. I hate this. Aérogel, fil de cuivre, titane. I have to leave them behind. Parfait, j'ai tout. I can't risk. Oh, j'ai juré, je vais caler. Dire, je sais plus où est la sortie, mais pas par là. C'est là. Hop. Hop. Tout vu dans ce vaisseau, il n'y a plus grand chose. Vital signs stabilizing. Retour base. Ah, ils font ultra mal, hein. Je jurais, en vétéran, c'est aberrant. Ah bon? Ouais. Oh, tranquille cette petite session aujourd'hui. Pas grand chose de fou. Ah oh ouais, mais non, en fait. Ah, mais non. J'en ai encore deux. Pas par là. Hop, et voilà, je suis arrivé. Ça va ? Par contre, le... Ah. Là, Alan, voilà. Alan qui est dans ma tête ne me parle plus. Il dit plus rien. Alors moi, je me débrouillais comme un grand pour trouver la dernière partie. Je sais pas où aller. Bien chiant.
merde, alors je sais même plus où c'est. Par là. Pris du temps à trouver quand même. Qui va arriver. Ça pique. Il est juste à côté. Et voilà. Ok, deux derniers. Allez. Je sais pas si d'ailleurs j'ai... J'ai du plomb en masse. Ok, cool. Eh, j'ai du titane aussi, c'est parfait. Hop, qu'à faire de l'aérogel. Eh ouais, j'en ai un de ces armes, c'est enculé. Question, et ai-je encore du rubis? Oui. Je m'en faire qu'un seul parce que je n'ai pas besoin de 10 000. Oh non. Je l'ai coupé pour rien. Moi ça m'affecte. Voilà. Non pas là, là ça va pas. Oh voilà. Alors lui c'est... il a vraiment pas loupé une balle quoi, il m'a mis full tête. Ah bon? Oh ouais. Oh, attends. Sérieusement? Il me fait recommencer là? Quelle arnaque! Hop, il manque plus que l'aérogel. 9%. On va dormir, ça passera le temps. Aberrant. Et voilà, j'ai mon salaire. Je vais casser mon crâne, à quel point ils font tout truc. Voilà, ça va grandir plus vite. D'accord, on a qu'un seul. Et voilà. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre maintenant? Ça c'est bon, je l'ai. C'est bon aussi. Pas le but, ouais. Voilà, j'ai deux parties du corps de Alan. Ok, non, j'ai pas tout. Ouais, c'est ça. J'ai pas tout. Et là, du coup. On va renommer celui des végétaux Alan. Alan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hop, hop, hop. 1, 2.
Donc là déjà j'ai ça, c'est sûr. Ça aussi c'est sûr. Ok, c'est bon, j'ai tout. Qu'est-ce qu'il me manque d'autre? Déjà je vais ranger ça là. Ça va là. Voilà. Viens avec moi. Hop. Ouais, je les étais passé. Oh ouais, mais. Et j'ai deux piles sur moi. Comment ça se fait? Comment se fait ce que j'ai deux piles? Je les ai attendus pour les voir passer, ils sont pas passés. Ça c'est de l'arnaque, on va dire. Ils sont pas. Il y a encore des mecs en vie. Il y a lui qui est sorti. Il y a forcément des mecs. Ils sont encore en vie. Ah sûrement, j'en sais rien. Bah moi ouais, c'est pas logique quoi, attends je vais arrêter. Bon j'en ai 4. Hop. Voilà, j'ai tout. Alors, je vais regarder quand même où se trouve. Y'a plus personne. Je suis un peu perdu. Oh. Ah, on va se balader un petit peu. On se retape la mycienne, c'est Gigi Folmi. Va falloir que je passe cette difficulté, sinon. J'aime pas augmenter la difficulté quand je connais pas la map, mais là, j'ai oublié que j'étais en vétéran. Bon, on va retourner au début. Peut-être que j'ai loupé un truc sur la terre ferme. On va aller voir ça. Question, est-ce que je prends tout avec moi ou pas? Bah mon problème je crois que je vais le laisser ici. Ça va m'être très utile. Et le Snowfox d'ailleurs faut que j'aille le chercher. Donc, on va chercher le Snowfox. Serré ici, je le confirme. Mais bon, là j'ai pris ma base vivante, donc ça devrait aller. Ça va aller beaucoup plus vite. Vous allez voir. Donc je crois que j'ai tout déjà. Il manque juste ouais, la dernière partie du corps de Alan. Faut que ce gros porc décide de me parler à nouveau. Bon, après il m'a dit faut découvrir plus de trucs. Bah, c'est bien que ça l'a alerté, mais en même temps s'il pouvait sortir. Ah bah putain, et moi il me dit là-bas il est là. Mais quel chien. Mais j'ai cassé mon crâne. Quoi, c'est un lien qui mais en plus ça m'en fait commencer là mais... Je te jure, changer la difficulté, je vais mettre en commando. C'est quoi? Normal, difficile? C'est difficile, mais là j'étais en ultra difficile si tu veux, mais on fout les qui te met une tête. Pas du où est la sortie? Non, c'est juste à côté. Derrière. Aïe aïe aïe. Par là et je suis arrivé. Voilà, tout droit. Presque arrivé. Presque arrivé à la sortie quoi. Après, aïe. Tiens d'ailleurs, est-ce qu'on remettait la musique?
petite musique qui revient là. D'ailleurs, la base Omega, je l'ai pas vue encore. J'allais la voir. Là, on va remonter à la surface. C'est ça qu'on va faire en premier. La base Omega, où est-elle? Une base Altera, donc c'est à la surface. Personnel d'Altera, non. Là sont les cartes. Cartes. Oh merde, sûrement pas à la surface. Comme là-haut j'ai une base, je vais aller la voir. Bon, allons là-haut pour voir. Du coup, elle est sur les nénuphars. Je sais pas pourquoi, moi je serais Altera, je mettrais sur les nénuphars. C'est classe. Il y a des baleines partout ici par contre. Qui entend le coup de feu? Non, il y a des... 5ème île de quoi ça race. Le 5ème il doit être là dans le... Du coup la base Omega n'est pas là. J'aurais pu glisser. Très déconcertant. Bref, on va aller voir Bitule le Snow Fox. J'allais le ramasser. J'allais voir la base qui est de la station Delta. Theta. Rond barré, normalement c'est Theta. Oh, il y a de l'orage. J'aime pas qu'il y ait de l'orage en jeu. C'est tout droit. Tiens, il y a des petits jardins des vents. Oh l'enculé, alors là. Ça se déplace ces petits trucs? Je savais même pas. Si, je savais que ça se déplaçait, mais pas comme ça. Droit par là. Allons à la station Theta. Elle est pas vue aussi. Et la station. Telle encre plein. Toujours la pile ionique avec moi. D'ailleurs là il y a une petite base ici, l'ouest de l'île. Je vais la voir. Ça je l'ai vu. Y'a pas grand chose. Y'a même quasiment rien à voir. Un peu dommage. Tu as mordu une balle dans la jambe. Et les archers extraterrestres pareil, je ne sais pas trop comme ça. Calme-toi toi. Ah il fait beau là. J'aime bien cette couleur de l'eau. Bah tiens. Elle est jolie. Attends, je vois pas ton stream là. Ah oui. Oh, ça c'est sympa. Il faudrait que j'en élimine encore à 5. Il y a pas assez de... Ils sont dans des angles que je ne vois pas. Ah béant les angles que je dois prendre, mais je vois personne. Faut que eux me tirent dessus pour que je sache où ils sont. Imagine, l'eau ne désaltère pas. Ce serait trop drôle. What the heck. On a niqué la planète. Ouais. Bah ils sont en dessous de moi les ennemis, je le sais, mais j'ai pas la visu. Ça coûte pas cher. Deux argent et deux titanes. Je démonte celui qui est déjà là-bas.
Ça va plus vite. Et je suis tranquille. Allons voir cette station Theta. Je serai tranquille comme ça. Je vais pas monter sur bidule. Okay. Voilà. Je crois que je ne peux point avancer. Ouais, non. Par contre, ma question c'est pourquoi avoir désactivé la station de Theta ? Ah, si quelqu'un pouvait me dire, quelqu'un qui avait fait la campagne, ça pourrait tellement m'être utile, putain. Moi je sais. Nord. Là je vais aller. Ah, faut que je continue là-bas là. Ils sont pas tous morts en plus, ces chiens, il en reste 4. Ou l'est. Bah, il en reste 4, en vrai j'ai la crivo hein, et au pire, bah. Hop, fou l'est. Je dépassais ça. Ça, c'est aberrant. Faire full nord. Hop. Ça va être un petit peu intéressant. Il fallait vraiment que ça vaille dedans. Hein. De quoi? T'as tué quelqu'un? Oh. OMG. Ouais, une fois que t'as fait Subnautica 1, bah t'as plus très peur de celui-là. Il fait pas peur de base. Bon, je vais ouvrir la porte au C4. Non, mais faut bon, ils m'ont saoulé aussi. J'ai juré en tout. Faut que je trouve une entrée qui accepte le C4. Alors. Toujours pas arrivé. C'est hyper loin. 400 mètres encore à peu près. Mais j'ai lacrymo il y a 2 secondes et il y a personne qui est sorti. Attends, quand tu lacrymo, les gens sortent. Ah non. Il reste cassé. Il se cache et il se met en PLS. Ouais, on va faire full nord maintenant. Full nord-est. Ouais, par là, tout droit par là. Qu'un mec là où je suis, c'est je le vois en bas. Oh, c'est quoi ça? Ça, c'est la drogue. Je l'ai déjà visité ce truc, c'est pas ah, c'est possible que je l'ai déjà vu. On va voir ça. Pas de papier intéressant ici. Je suis tellement galérien. Ah si, je l'ai déjà visité. Y'a rien non plus. Bah, je fouille là, là. Ah en fait, ouais, fouille le reste. Putain. What? J'allais dire les petits manchots. Alors, normalement, il n'y a pas de glace. Ouais. Là, il y a encore de la glace, donc c'est full est encore. Ah, plus de glace. Et je pourrais faire
Il a vraiment essayé de TP hein, parce qu'il était pas là il y a 2 secondes. Hein. Bizarre cette zone. Oh, c'est quoi ça là-bas? Une station? Un article, désolé. Bienvenue ici. Non, je suis pas venu ici. Balise. Oh putain, ça m'a jeté. J'ai la balise. Trop triste. T'as de la livraison. These sea monkeys are gonna get me in trouble. This is the third shipment that those buggers have gotten their weird little hands into. Now we're running low on flares and I'm gonna have to search nearby nests for stolen cargo. They're lucky, they're kinda cute. Raccoons of the sea, those ones. Les vrais ratons laveurs des mers. Deux encoches? Il a un putain de panneau stop, je te jure. Alors attendez. Alors 3, 3, 2, 1, 1, lui. On va faire full nord-est. On va le trouver. Par là la zone. Ça se dérobe sous bon. Merde, j'arrive pas à tuer des manchots depuis tout à l'heure, ils me sautent dessus. Pas de chambre, y'a pas de tout ça. Faut que je trouve un peu zone. Ah, je suis dans quelle zone? Iceberg de l'Est. Trop loin. Carte disait full nord. On va faire full nord. Nord-ouest. Sûrement trouvé tranquillement. Ah, il faut attendre qu'il soit loin. Là, je vais faire full nord. Et après, tu le butes. Ok. Ok. Toujours en solo, toi ou pas? Ouais. Oh bah oui, c'est par toi, tu veux là-bas, je t'élimine là-bas, puis on revient là, on bute les deux et je fonce encore dans le tas dans la maison. Signal location uploaded to PDA. Oh, c'est hyper loin. Bon. Bah c'est bientôt le dire mais qu'il le fasse. De quoi? Ils disent attendez, il faut qu'ils se séparent. Mais il se sépare pas, j'ai envie de casser mon crâne. Genre, je vais visiter le nord-nord de la map. Et il y a Alan qui dit, oh regarde là-bas il y a un truc. 1500 mètres, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire foutre là-bas? Ah t'as dit que t'allais au nord, pour le coup tu vas bien aller au nord. Hein. Bah non, c'est 1500 mètres mais au sud. Ah ah.
Ah, peut-être par là. Non, pas par là. Wesh, elle a quoi ma lunette? Elle a la trembiole. Wesh. L'iceberg là. Ah, PTDR. Incroyable. Bon. T'es sûr que... Il se casse! Oh, putain! Ressource. Ah, putain, je suis en train de bailler. Puis-je? Alors, hop, 3, on va mettre ça. Parfait, enfin j'ai trouvé le... Le Nord. Attends, je vais mettre une balise là-bas. Comme ça, j'oublierai pas que c'est ici le Nord. Alors ici c'est la station... Theta si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, station d'état. B de la station d'état. Ah oui, c'était. Ah putain, à chaque fois j'appuie sur W par réflexe, mais c'est. Let's go! Allons explorer tout ça. Oh wait, le clipping, les gars, vous allez bien? Oh le clipping! C'est quoi le clipping? Traverse les murs? Non! Oh. Mais le phare et les bâtiments qui disparaissent. Un bonhomme de neige! Je peux détruire le bonhomme de neige! J'aime pas le bonhomme de neige, moi. Le mec il détruit tout. Y'a rien à scan ici. Le mec il parle pas trop espagnol, triste. Il parle une autre langue encore. Je suis proche de la Terre. Et la Terre est proche de moi. La Terre est proche de moi. J'avais pas les portes. Ok. What did Altera use this place for? Oh, je les ai brainés, j'ai bien fait de courir parce que j'aurais suivi leur tactique, j'aurais pas dû me taper la droite. Et taper la droite. Ah bah ça aurait été facile hein. While other teams have been pursuing more nebulous approaches to awaken the architects, I've tried to take a more practical approach. We know these part organic, part digital beings store what they thought of as themselves on computers within their sanctuaries, and we know efforts to wake or communicate with them have been in vain. My theory is that to make first contact, these digital ghosts must first be recombined with an organic component. As Dr. Kazlany's classic study noted, we know they had means to grow cybernetic bodies and to transfer their data patterns between them. There is a known probable architect sanctuary in this sector, but entry is not currently possible. If I can get inside and present the right vessel, I... Was this Sam's space? What was she doing all the way out here? Oh. Ah. Ouais, en plus ça déclenche pas. Trop curieuse au sujet des architectes. Vous pouvez pas la laisser faire, c'était une. Non plus vous. What did you think she would do to you? Terranaise. She might have discovered the gateway to our home world. N'est pas besoin de s'allonger en soi parce que je peux plus. Ah, c'est moi avec un chat. Ah, il fait encore chez ton chien ou... Sur Lilian Bleach. Oh, c'est le canon de. Ok. Du 1. Va bien. Oh, oh des lanternes, trop bien. Qu'est-ce qu'il pas ici normalement, mais ok. Récolter, produire, blablabla, bla, affaire en cours. Des forces gravitationnelles sur le site de recherche 0. Dôme de verre de la salle multifonction. Pas mal. Pas mal, pas mal. Maintenant j'ai des lanterniers. Ça c'est incroyable.
Sculpture d'architecte. Ah, c'est... Ouais, mon Robin arme. Et patate. Ah, patate, c'est le nom du chat, incroyable. Il me shoot. Ah ouais. Il lag ici, on sait jamais. Okay. Wouah, mais oh. Encore j'ai mort. Juré que moi je me vois pas dans la décale, mais eux aussi. Oh, on fout. Ici c'est, bon. C'est une zone d'atterrissage, ok. Je vais voir si je peux pas mettre mon Snowfox ici. Je vais voir ce que c'est de dissimuler ses armes en plus. Je peux pas. On va le mettre là-bas alors. Là-bas plus loin en fait. Ouais, ouais, par contre, j'ai eu l'envie de décharger dans la tête sans pas de les. D'après la carte, c'est encore grand. Hein. Si je me trompe pas. Oh, cette mission, elle me. Elle me triggerait bien. Hein. Bien trigger là. Mais ouais, parce que les mecs, déjà, ils sont 40 fois plus nombreux. Je peux pas les éliminer, je peux rien faire. Et je vois. Je et peux si, pas faire exploser, faut que je passe en discrétion, mais pour faire en discrétion, bah, je peux pas le faire. Oh. Dans tous les cas, je suis baisé, mais juste. Il y a un big truc alien ici, ça c'est bien. Vous voyez, il y a 15 milliards de kilomètres là. Alan, tu peux pas m'envoyer ici? Il y a déjà 3 qui sont morts, la vie de Wam, ils l'ont bien mérité. La zone de technologie. Ouais, tout à fait ordinaire pour mon peuple. Tu vois, là, tu fermes ta gueule, on peut se dire de la merde à du monde. Et là, il les a tous kill. Bah ouais. D'accord. Ouais, ouais, tu peux pas le faire, le mec il a kill 3 d'affilée. Ça n'est pas utile tant que Alan n'est pas en vie. Ok. On va lui donner donc un là, petit je peux faire exploser la porte sans contrepartie, hein. Ça va commencer à être compliqué sinon. Ah, ils sont combien là-dedans? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, ils sont combien dans ta salle? 13 yeah. Ouais. Ouais, là, c'est... Dangerous weather approaching. Seek shelter. En fait, j'avais pas besoin du Snowfox. On va chercher le truc de. Pilote. Bien loin son truc. Non, allez! Putain, mais il en avait dans la. Ah, je déteste! Tu leur tires dans la tête, ça fait rien! Ouais, c'est comme ça. Oh putain, mais c'est trop. On a ramassé plein de poissons. Outpost Zero is where your sister worked her final days on 4546B. It is quite isolated. Yeah, I know the brightest ideas can flourish in the middle of nowhere, but this is practically off the map. A lot of people would love to get paid to sit around and do nothing. And not Sam. She must have ouais, j'allais mis la balle, ce chien. And they have the nerve to call her negligent. I think they drove her to an extreme. They also motivated me to change my behavior. Because they drove me into hiding? I had calculated that they might be well placed to answer my stress signal. But I came to suspect their motivations were not aligned with mine. So you made yourself harder to find. It was a calculation. Oh, il a tout fait pour pas se faire trouver. Incroyable. On va aller à l'artefact N6M là. Peut-être que je vais trouver un truc à propos de son corps. Que il y a aussi le grand grand nord que j'ai pas encore visité. En fait, j'étais un peu perdu. Allez. C'est vraiment très très grand. D'accord. Après c'est aussi très très chiant d'y aller. Regardez ouais, je te jure, dans ce jeu les balles c'est. Oh,
Moi j'irai plus tard. Non, il y en avait encore un. T'es mort ? Putain, mais il rend fou ! Et je pouvais pas lui tirer dessus parce que monsieur a le bras long, sale chien, putain. Je te jure, je vais caler. Hop, un message. Hop, on range ça. Allez, on continue. Oh, nique ta mère. Non, c'est trop, frère, je te jure, j'ai envie de casser. Elle est dure ta mission là. Hop, allons voir ce dernier artefact. Là, il est mort, bah. Tu pouvais pas le voir avant, mais. Ah, la mission, elle est pas simple, ouais. Alors, je veux bien les mecs soient forts à Call of et tout. Mais là, c'est le mode campagne. Au moment où l'IA te met une bastos, là tu peux rien faire, faut aller se faire foutre. Hein. 200 mètres, wow, c'est bien là, faut que je flash, là faut que je fasse ça, que je fasse ça. Oui. Je sais où est-ce que c'est, mais c'est très très loin. Grenade. Même peut-être un peu trop loin pour moi. Bon, c'est pas grave, on s'en fout, on avance. Moi perso, j'avance. Là, y'a rien. Ah, ouais, si. Okay. 12% de batterie. Bon, ça va le faire. Bon, j'ai toujours une batterie de rechange. Casse-toi. Après, faut que je répare mon vaisseau. Mon petit bateau. Il va se casser au même. 900 mètres. Oh la vache. 900 mètres N6M. Mais où est-ce que c'est ça? Ils peuvent pas voir. Je me fais attaquer de partout là. Pas normal, d'habitude ils m'attaquent jamais ces mobs. Ça veut dire. Plus au sud. Ok, alors je vois par où c'est. Ok. Avant, je vais réparer mon bateau. Parce que là je vais traverser une zone où il y a un monstre. J'aurais pas crevé. Hop, on répare ça vite fait. J'ai l'air comme la vitre est parfaite alors que je me suis tout pris dans la tronche. Hop. C'est bon. Et lui il est bon aussi. Ok, c'est bon, on est parti. J'ai juste déposé un peu dans un coffre au pif. Tous les petits posters que j'ai là, ça me sert à rien. Voilà. Je prends même plus de place que autre chose. J'en ai encore un, merde. Je veux vraiment tout déposer. C'est pour Alan. Faut que je lui laisse. Ok, allons-y. Je mets ça en route. Si jamais le. Quel but. Jamais le Léviathan ici décide de manger. Faut que je lui dise non. En bas. Bon. Je l'ai vu, il y en a encore un. Que je vais faire, je vais descendre tout en bas tranquillement. Et il y a le jardin des vents vraiment tout en bas, 300 mètres plus bas. D'ailleurs, il y a une grotte, j'y suis jamais allé. Je vais aller voir. Merde, j'ai fait la baraque. J'ai pas de truc. 300 mètres à ce niveau là. Bon, j'ai fait la maison, hein. C'était plus simple. À tous les coups c'est là. Ah merde, je pensais. Du coup c'est là dessous. Tiens, c'est quoi ça? Ah, c'est une station thermique. On va voir ça tout de suite. Ouais, c'est ça, c'est profond. Profond d'ici.
qu'est-ce qu'il y a tout au fond? Ok, là ça descend plutôt pas mal. D'accord, je suis. C'est pas là. Ici. Oh mon dieu. Ah. Oh. Dis-moi, elle est super longue ta mission. Bah en fait, c'est déjà. J'ai pris du temps à fail. Donc bon. Allez, range-toi. Elle me dit qu'il faut un truc. Oh, ça ressemble voilà. Ouais, fou le sud. Va vite se cacher dans une petite grotte qui est là avant de me faire manger. Et vite, vite, vite. Attends, il y a encore un jardin des vents là. Waouh, il est immense celui-là aussi. Et même, je pense, encore plus grand. Waouh. Le char qui m'a fait peur. Oh, pourquoi j'ai pas dit qu'il y a autant ça hein. Ouais, celui-là il est vraiment grand. Oh, oh. Ouais, c'est juste en dessous en fait. Il faut que je trouve par où passer. Gros vaisseau là. Peut-être par là ça devrait passer. Mais non, ça va être tout petit. Allez, passe. Toi. Pas. Tiens de confirmation. C'est pas plus grand. Tiens de confirmation. Allez, on descend tout. Ah ouais, c'est vraiment trop petit, j'aurais jamais passé. Ah, c'est ça, ok. Ok, c'est quoi ce truc? Pas l'avoir déjà vu. Un extracteur de minerai. Module de téléportation de l'aquatracteur. Quoi? Exploitant la puissance générée par les cubes ioniques, le module de téléportation crée un lien inaltérable entre lui-même et un outil de rapatriement. L'utilisateur se trouve à distance du module, il lui suffit de l'activer pour y retourner à un instant, permettant un gain de temps et d'espace de navigation. Le rapide désassemblage et réassemblage de la matière organique à un endroit donné opéré par les cubes ioniques est toujours source de grands débats dans la communauté scientifique. NB, ce module est alimenté par la cabine principale de l'aquatracteur, outil de rapatriement nécessaire. Lien créé entre l'outil et le module n'est pas affecté par la distance. D'accord. Putain les bâtards. Ça fait plaisir. Allez, où ? Par où ? Ça fait vraiment plaisir une petite salle comme ça. En plus je parie qu'elle coûte super cher. Ah, le passe taille. Ah c'est bon. Enfin, module de rapatriement en même temps. Ah j'ai fini. J'ai fini. T'as fini la mission. Bravo. Bravo. Ah cool. Ah les missions de discrétion c'est... Ah c'est pire. C'est pire qu'un cancer hein. Je suis d'accord avec toi. Ce truc c'est discrétion à la Call of quoi. Donc au final t'es pas si discret que ça. Module de téléportation, ok. Schéma. Poison, hop hop hop, simple. Alors. Ah, j'ai enfin la fenêtre. Outil de rapatriement. Vous téléporte vers un module de téléportation de l'aquatracteur à proximité. D'accord, ok, ça coûte plutôt cher. Ça aussi, ça coûte trop cher. Enfin, on voit, non, en vrai, ça va. Je vois pas trop l'utilité du coup. Absolument un module de rapatriement. Je vais noter là. Ah, c'est plus. Alors, moi, je retourne au nord. Parce que là-bas, la station Phi, j'y suis persuadé qu'il y avait un truc que j'ai loupé. Je suis persuadé.
Hier, je tournais en rond à côté des Ice Worm là. Je trouvais pas. Je suis sûr que c'est là-bas. Par contre, le Ice Worm hier, plutôt joli. Ah, Nicolas, let's go! 1200 mètres, waouh. Ça va être long. Bon, ça, on sait jamais. J'ai tout droit de toute façon. Station fille. Ah, wow. Là, il va vraiment avoir de la pure action là. Ah bon? Ouais. Il y aura deux armées qui vont s'affronter. Pas mal. Ouais. Ça va être explosif. Explosif. C'est peu dire, on va dire. Casse-toi, tu vois là. En plus, il est mort. Oh, le gros nul. Gros nul. Allez, où j'avance. Boum. Tout à fait, l'arnie. Il a explosé. Ah tiens, passons par ma base. Je vais me reposer un peu. En fait, du coup, mon aquatracteur peut se TP à des modules. Mais je vois pas trop l'intérêt en vrai. Peut-être qu'il n'y a pas la place. Peut-être pour ça. Pas peut-être, c'est même sûrement pour ça. Lanternier, alors faut pas que je les mange. Je les cache. Hop. Non. Voilà, je peux les mettre ici. Parfait. Hop, on va dormir. Est-ce qu'il y a d'autres armes? Non. Pas beaucoup de batteries qui ont été remises. Station Delta. Et de la station Fizz, parfait. Par là. Va me perdre beaucoup, normalement ça devrait aller. Oh mince, je l'ai tué. Trop triste. Hop, 600 mètres. Ça va, on va plutôt vite. Par contre, j'aurais jamais trouvé du coup durant la partie le module pour le moment. Le module de. Moteur de l'aquatracteur qui permet d'aller plus vite, ou alors c'est pas de permettre d'aller plus vite, c'est juste de moins consommer. Ça, je pense. Des, Bref, j'ai pas tout. Moi, j'ai aussi pris le Snowfox, mais j'aurais pas dû, même plutôt dû le laisser là-bas. Kit d'assemblage, pourquoi je l'ai plus avec moi? D'accord. Ça va, j'ai assez de ressources dans le petit vaisseau pour le faire. Allez, vas-y. On va visiter le nord. T'es prêt à visiter le nord avec moi, Etienne? Vive le Schnorr. Vive le Schnorr. Presque arrivé. C'est dommage, les jeux comme Subnautica, c'est les jeux que tu peux faire qu'une fois. Parce que. Une fois que tu les as finis, tu recommences une partie. Tu connais exactement où il faut aller. C'est-à-dire un peu trop simple. Voilà, j'ai par contre beaucoup de manchots. Dégage. Ouais. Ça fait un peu de mal la tête en bas, oh là là.
mort. Bon, d'accord. On s'en fout de façon. Les bébés pingouins là, pas très important. Ce qui m'importe le plus, c'est découvrir ce qu'il y a là-bas. Au nord. Ah, c'est chaud. D'après la carte. Carte des installations. C'est très très grand. Je crois qu'hier en plus je me suis perdu. Voilà, j'avance là. Là au nord il doit y avoir un truc. Le jeu ne ferait pas, ne permettrait pas d'aller au nord comme ça sans y mettre de. Ah. De choses moins importantes. Ah bah ouais, je suis en train de faire un truc en arrière-plan. Fallait forcément que je meure à ce moment-là. Hein. Quand tu regardes pas l'écran, bah c'est pas drôle sinon. Hop. Oh le kit d'assemblage, pourquoi je l'ai plus avec moi? Bizarre, normalement je l'avais avec moi. Bon, c'est pas grave, on va aller voir ça. Hop, non. Ah, je l'ai mis là. Avec le Snow Fox. Avec Bidule. Yeah, yeah. Ah bah ouais, mais attends, mais moi je savais pas qu'on pouvait se pencher. Oh, tu savais pas que tu peux te pencher avec ton arme? Oh non. Wouah. Je suis un consommateur. Hop. Allez, let's go. J'ai l'interface du Snow Fox complètement buggy. Hopi. Il a buggy, après c'est tout. On va rester en bas. Non, on va monter. Hop. Je crois que ça changeait pas grand chose. Dans tous les cas, je vais être en bas. Donc là d'après la carte, où suis-je? Je dois être ici là. Ouais. Je viens d'arriver ici. Donc encore full nord. Je sais même pas pourquoi je suis descendu de mon Snow Fox, ça sert absolument rien. Hey, gros. J'aurais perdu le convoi, putain. Ah mais c'est chaud là, j'ai plus de balles. Ah ouais mais c'est chaud, j'ai plus de balles. Bah ouais, c'est ce que je viens de dire. Là j'arrive ici. Soit je vais au sud, soit je vais au nord. On va tester de longer la paroi droite déjà. Et... Non, 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 non. Casse-toi. Je peux pas bouger. Oh genre je suis mort. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais, vous êtes mort, bien vu le jeu, bien vu. Bon, hyper loin. Ah. Le Fox est tout là-bas. Tous les coups, il va le casser. J'ai vraiment pas de chance, il m'est tombé pile dessus. Ah, 500 mètres, je sais même pas si je vais non, pouvoir faire 500 allez. Mètres. Allez, tout à l'heure il fait des sauts plus longs que ça et il meurt pas, et là il meurt, mais quel abrutier. On va repasser par les caves. Non, je vais mourir. Je crois qu'il y a tout pour y aller à pied.
Ça a dû être pensé pour les gens qui veulent pas le faire le bidule. Je dois changer de véhicule, ouais, mais j'en attendrai bien que ma vie régène. Au pire, faudrait que je me fasse la combinaison polaire, mais ça coûte un peu cher, quoi. Un peu dommage d'ailleurs. Oh bah alors lui, il vient de passer sous les roues d'un camion. C'est de son plein gré ou pas? Tous les piments possibles ici. Permettre de survivre un max. Ah, il y en a encore du coup. Parfait, 100 mètres, je suis proche. Pôle Nord. Je serai arrivé. Faudra que je fasse attention parce qu'il y a peut-être encore là le Léviathan. Les Léviathans, c'est vraiment les créatures, les grosses créatures offensives dans le jeu. Ah, j'ai pas mon truc de manchot. Il y a des cubes ioniques en plus. Je vais chercher mon. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, bah, c'est aberrant ça. Il a fait un virage à gauche pour me buter ou quoi? Ah, ouais, ils en ont massacré des gens, bah ouais. Voilà, vite, je fais le tour. Oh, j'ai réussi. Je pensais pas du tout que j'ai réussi. Ok. On va chercher le manchonnet que j'ai oublié. Là. Il ira plus vite. Il va vraiment vite en plus le Snow Fox. Ah, enfoiré! Je vais bientôt arriver normalement. Waouh! Pas par là. Alors je dis bien normalement parce que là je suis perdu. Oh, le pont. Le lance-grenade. Pas de lance-grenade mon ref. Ah, ce lance-grenade là. C'est bon, je suis pas perdu. Tout va bien. Alors, le temps que j'allais chercher le petit manchounet, on va y aller. Ok, il est presque. Ouais, je mange tous les pimentiers, mais ça sert à rien que je les garde. Donc j'ai retrouvé mon Snow Fox. Ça me fait trop marrer comment ça. Faut que j'attende. Ça se dit. J'ai une belle batteuse là. T'as une petite batteuse là? Parfait. Une petite batteuse, ouais, avec 100 balles dans le chargeur et 200 balles. Alors là. Oh
Alors là ça fait plaisir, 200 balles. Ou oh, quoique 200 balles avec une batteuse ça part vite. Hop. On va essayer de faire tout le tour. En même pas 10 secondes. Je savais même pas qu'il pouvait spawn là. What the fuck? Ouais. Ok. Mais qu'est-ce qui est sûr, c'est qu'il me suit là. Oui, bah attends, j'attends la voix de la tuture. Hop. Ok, let's go. Allons-y. S'il faut que je trouve des trucs de rôdeur, très important. Unique en premier. Deuxième cube unique en premier. Bon, tu m'en fous. Ah, c'est tout? Ok. Pas mal. Le cube unique, ça fait plaisir. Je peux me ramasser dedans. Oh. Ah bah j'étais sur un geyser, ok. Je me disais bien. Alors que je l'ai. C'est quoi ça? Oh non. Oh non. Allez, barre-toi. Bon, en tout cas, on sait qu'il est grand. Hop, viens avec moi le Snowfox. Il fait pas même un rôdeur. Ah oh putain, il s'est pris une tête lui. Hein? Faut que je puisse sauter là-haut. Il a pris des dégâts, mais ça passe. Sur la carte normalement. Ok, c'est pas une grotte. Fait... Ouais, pas rester pas à portée de tir, mais quand je tourne, il a le temps de tirer. Comprendre où on est. Donc ça, on l'a fait. On l'a fait comme ça. Puis on arrive ici. Ok. Merde. À peu près où on est. On peut faire full full. Ah chill. Si ça m'a. D'accord, en fait c'est en train de m'ouvrir ce qu'il y a. Mec, ils aillent bien se faire enculer. Je me clique en fait, ça me fait enculer. Non. Ouais. Est-ce que je peux le scanner? Faut que j'esquive les mines et les tirs. Ah bah putain. Je peux pas.
pas le scanner ce truc. Allez, mais c'est trop chaud. J'ai l'air d'être sur la bonne route par là. Mais c'est trop chaud d'esquiver le canon parce que déjà que le véhicule il prend 40 ans à tourner. T'esquives un canon. Pas dans la merde. Voilà. What? Mais je suis pas mort. Il y a un truc ici qui se cache. Mais qui est... Ah, il vient de se passer de dinguerie là. Vas-y, explique. Ils disent que je suis mort alors que non. Hein? Non. Bah, dinguerie. Le galet il peut déjà mieux tourner. Hein. En fait, je vois mieux où je suis. Je suis arrivé ici. J'étais là, là c'était bloqué donc j'ai pris la grotte qui est là. Ok, je vois où je suis. Je vois mieux où je suis. Parfait. On va faire, on va se déplacer entre les piliers comme ça. Ça a l'air peut-être bien discret. D'accord. Et un rôdeur vient de se faire manger. Allez, ouf. Ok. Un peu chaud à l'esquiver celui-là. Encore un peu plus au nord et je serai arrivé. Ah, par là. Motherfucker. J'ai l'impression qu'il est plus là. Non, il a plus l'air d'être là. Ouf. Os de verre de des glaces. Oui. Verre des glaces mort. Ah bon, la batteuse. Verre des glaces. Cheaté, hein. Verre des glaces. Léviathan d'environ 95 mètres de long. À la fois imposant et dangereux grâce à son exosquelette composé de plaques, il est capable de se frayer un chemin à travers la glace sans forcer. Plaques. Le verre de glace est recouvert d'un exosquelette hérissé de pointes à l'arrière. Bla bla bla. Corne surchauffée. La corne est une partie la plus dense du verre de glace. Les terres à l'intérieur sont remplies de dépôts d'alcalis bruts qui réagissent violemment au contact de l'eau. Ce qui a pour effet de créer une réaction chimique exothermique. Hein. Agressive et mortelle, à éviter à tout prix. Ok. C'est pas ce que je voulais faire. Ok, pas mal. Nouvel ennemi. Verre de sable. Verre de glace. Sable, what the fuck. Existe. J'espère pas dans ce jeu. C'est déjà assez chiant comme ça. À peine. J'ai failli crever 10 fois le temps que j'arrive ici. Il y a rien par là. Ah, quoique. Quoique. Il y a combien de mètres là d'ailleurs de ma base? 1700. 1000 mètres de Philippe. Oula, attention, il va tomber. Je sais pas s'il faut que je saute ou pas. Bon, tant pis, je saute. Ok. Heureusement que les collisions sont un peu mal faites. Tuis-je.
d'architecte. Ok. Déjà, les architectes sont plutôt grands. Composants d'architecte. Quoi, ouais, c'est tissu? Tissu d'architecte. That is a rough way to go. Yes, I would not enjoy being crushed while mining iron cube components. The cold preserved the body well, but this isn't a big sample. Will it be enough? Our tissues are pluripotent, derived from the DNA of various species, capable of changing form as necessary. Ah, like stem cells. So, what prevents you from, I don't know, ending up with hooves where your eyelashes should go? That does not happen. Pas depuis la quatrième itération. Comment ça, la quatrième itération? Alors qu'est-ce qu'il faut pour ce dernier tissu? Deux pustules radiculaires, ok, ça se trouve dans les... Ouais, je sais pas où ça se voit. Deux sacs gélatineux et une fibre synthétique, ok. Are you excited? Using the chemical compounds disponible dans mon corps, je peux mesurer ce que vous désignez comme un optimiste modéré. Modéré. Ok, bon. Un seul objectif maintenant. Survivre à ce grand merdier. J'appelle le ver de sable. Ouah, bien sûr, faut qu'il me tue dessus. Ça, du coup, on essaye de... Oh, il m'a tué, super. Bon, et bah, je m'en bats les couilles parce que j'ai plus à revenir là-bas. Tant pis. Qu'est-ce qu'il dit? Ok. Great. What's next? Let's get you out of my head. Dans ma tête. Vous rappelez-vous l'installation de fabrication? De retourner là-bas. So you planned on needing to make new bodies? It is a standard medical facility. A medical facility where you just replace your whole body when it wears out? Sounds a little beyond standard to me. Ah, c'est vrai que c'est très loin d'être standard. A research mission of the highest importance. So, what were you, a scientist like me? I am a scientist now. So, what happened? J'étais et je suis un scientifique, ok. Then... Please, Robin, you have the components. Vous en retrouvez à l'installation, construisez le corps. Ok, but don't think I don't notice you changing the topic. Ah, c'est normal, non? D'accord. Et il est où le truc de fabrication? C'est bien, mais moi je sais pas où il est. Oh. Peut-être qu'il me l'a noté. Non, c'est que des artefacts. Je vais lui prendre de quoi faire son corps et on verra ça la prochaine fois. Parce que plus de ça, je ne sais même pas où c'est. Fabrication, construction de corps là. Je réfléchis où est-ce que ça peut être. En vrai, j'en ai aucune idée. Mes pustules, c'est là. Vraiment, ça me tuera toujours que la voix ne colle pas avec le personnage. Ah bon? Vraiment, il a une voix de si gentille avec un corps qui va pas du tout avec. Le code, la Mexicano, un peu baraque. Quoi, le mec c'est un monstre? Bah tu vois sur mon stream, il est assez bien baraqué et tout. Il a une petite voix aiguë par contre, ça c'est... Bon, je genre en mode, tu dis la putain de vérité, genre un truc comme ça, t'es en mode... Ah c'est lui là, Diego. Ouais. J'avoue, il est baraque. Il est baraque, il a une voix de merde. Attends, tu dors. Ok. Bon, je retourne à la station qui est là-bas. Ah, là il est mort, non. Je vais les trouver là-bas, ça se trouve dans les souterrains d'ailleurs. En faut deux. Donc, je vais noter deux. Tac, tac. Deux. T'as le composant, la structure je l'ai, les organes je les ai aussi. Qu'il est là, elle n'en parle. Elle s'y n'embarre. Ouais, mais ça coûte une fortune. Et les mecs sont faits en diamant. Leur squelette c'est du diamant. Qui peut dire que... Ouais, mon squelette c'est du diamant. Personne peut dire ça. Clairement.
Bon bah je présume que c'était du volontari, hein? Volontariat. Ouais, du volontariat, ouais. Ah madame, vous êtes... Ah, vous êtes pas gentil, ok. Oh non, j'ai pas le temps de le refaire. Hop. Je vais attendre de scanner le petit. Ah. Est-il... Où est son torpille? Enfin, je l'ai. Le monstre. C'est faux. J'ai pas peur. Il est même un peu too much. Sympathique cette dame. Dis donc. Pourquoi elle a fait quoi? Bah, elle menace au collègue en mode bah, s'il n'a pas les infos, je te bute. Ok, au moins c'est. Discret. Rapide, efficace. Allez, retour à la base. La base qui est là-bas. Il me faudra un rubis. Un rubis que je n'ai pas. Lui va mourir, je le sens. Ah merde, 4. Wow, wow. Hey, mais toi tu vas mourir, hein, d'une balle. D'ailleurs, bah on est arrivé. Je vais mettre un au live maintenant. Yes. Yes sir. Devant encore une fois ces magnifiques affiches. Bon, encore une fois pour moi trop joli. Vraiment c'est abusé comme elles sont jolies. Allez hop. Alors Philippe Grave. Eh hey, regarde, je vais prendre bien mon temps maintenant. Allez, à plus tout le monde. Plus le stream.